Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff pour un jeu sorti en 1998 sur Nintendo 64, série de 1080 Degrees. Un des jeux assez surprenants qui peut exister sur la Nintendo 64. Et celui-ci est de justement Snowboard. Et oui, le Snowboard, hein, ce n'est pas n'importe quoi. Vraiment le Snowboard comme on a l'habitude de le voir, en tout cas en étant assez jeune. Et donc il y a plusieurs modes, j'ai ouvert plusieurs modes, donc tout d'abord le mode Challenge. Alors, c'est assez surprenant, vous allez voir. On va prendre le mode normal. On va essayer de prendre un surfeur malgré dont tous les surfeurs qui existent dans cette version, à voir. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il n'y a pas un français. Je ne crois pas. Il n'y a que. Voilà, par contre, il y a une fille, donc je vais prendre la demoiselle. Honneur aux filles, normal. Alors, donc c'est un let's discover que je vais vous faire, hein. C'est pas un let's play, c'est juste un let's discover de ce jeu qui est vraiment assez complet et qui en fait commence par et un des premiers jeux avant SSX en fait. SSX c'était après je crois. En tout cas les premiers SSX qui sont sortis juste après ont un peu pris le même domaine. Alors le principe mode contest, donc nous sommes en combat contre un adversaire et donc le principe c'est de finir avant lui tout simplement. On va chercher. On essaie de se dépêcher parce qu'il y a quand même. Voilà. Regardez, il y a aussi le fait qu'on prend des dégâts selon la hauteur de la chute sur laquelle on descend. Allez, va plus vite quand même, hein, ce serait bien, Mayumi. Et en fait, le principe, c'est que justement, on essaie de faire un trajet le plus facile. Sachant que c'est quand même assez difficile de battre le premier. Je sens que vous allez voir un fail, mais c'est pas grave. Ça arrive les fails, hein, c'est fait pour être fait, hein, de toute façon, les fails. Hein. Alors, à savoir aussi que ce jeu, bon, n'était pas un jeu que j'avais eu sur Nintendo 64, mais était un des jeux que j'ai testé en jouant avec mes amis, enfin avec mes copains qui avaient aussi Nintendo 64. Donc, un jeu franchement qui valait quand même le coup, parce que même s'il était assez surprenant pour l'époque et surtout assez innovateur en tout cas, le jeu aussi. Pour la plupart des jeux N64 bien réussis, ils ont très peu de bugs de collision. Et ils ont très peu aussi de domaines aussi dans le domaine. Comment on peut l'expliquer ça certaines choses qui justement arrivent dans certaines consoles et que justement là il n'y a pas trop de soucis justement dans ce domaine là. Et donc je vais arriver deuxième, donc je vais perdre une vie. Et je pense que j'ai arrêté là pour la première partie, la partie challenge. Quoique. Oh, quoi, il est déjà là. Allez! Allez, ma petite Yumi, allez! T'es pas loin! Faut juste que t'accélères, allez! Accélère! Fuck! Il arrive après moi, devant moi. J'ai perdu! Oh, c'est dommage! On va réussir quand même. On va voir si Ayumi se débrouille bien en faisant une deuxième fois. Akari Hayami versus Ricky Winterbourne. Ready? Go! J'adore la voix quand même qui est assez ready, go. Alors franchement je peux vous dire justement c'était un des jeux que j'avais tenté avec mes voisins quand on était tout jeune. Et faut pas mentir que justement il était assez compétitif. Surtout en plusieurs, à plusieurs c'était assez compétitif en faisant les écrans partagés. Bon, bien sûr ça n'a pas été aussi vendu qu'un jeu comme Mario Kart. Mais je veux dire que ce jeu justement les Nintendo 64 avaient justement habitude de faire des jeux justement qui étaient un peu surprenants pour l'époque. Faut savoir que maintenant justement les jeux de snowboard ce n'est pas on va dire un truc les jeux de snowboard en 3D c'est quand même un des jeux les plus connus, enfin surtout les SSX et les SSX d'une part et les Shaun White Skate Snowboarding qui existent sur les consoles next gen justement viennent de ces jeux là en fait, des jeux précurseurs. Et c'est vrai que justement on remarque quand même que ces jeux précurseurs ont quand même fait de bonnes choses. En tout cas ils ont été très marrants, en tout cas moi je le trouve assez marrant puisqu'il est assez complet. Et bah je sens aussi que je vais perdre, hein, donc je crois qu'on peut considérer que je fais une deuxième défaite. Je crois qu'on va faire 3 défaites et un game over, ça va être super, hein, pour une petite discover. Wow. J'ai perdu. Ouais.
On va voir comment ça fait quand... Voilà, on a perdu. Merci, je sais qu'on a perdu. Et on recommence une troisième fois. Et si on si j'y arrive pas, bah ça prouve que je suis un mec à fail. Bon, vous savez déjà parce que vous avez vu déjà l'épisode 4 de Wario Land, qui était quand même un épisode basé sur le fail. Puisque j'ai eu plein de fails. Vraiment, vous allez voir, c'est... Vous avez vu peut-être que c'était tellement affligeant. Et j'espère que là quand même j'ai quand même réussi au moins à avoir un truc correct. Juste devant moi, allez, accélère, allez Yumi. Allez Yumi, t'es pas très loin, allez. Je te fais confiance. Allez, plus vite. Plus vite Yumi, allez. Oh mais merde. Allez, restez là, allez Yumi, je te fais confiance, allez. Le dernier, le premier juste devant moi. Allez, accélère à fond. Je peux y arriver, si je me débrouille bien, allez Yumi, t'es pas très loin. Le premier juste devant toi, Gan, vas-y. Fais une puissance. Allez. Oh non. Oh non. Oh game over. Game over. Dommage. Bon bah voilà, vous avez vu un peu le mode que j'ai, donc c'est pas le seul mode qui existe, hein, alors. Désolé, petit problème avec la façon de voir le jeu, normal. Ça fait normal. Donc, après avoir fait ce mode challenge qui est totalement raté, nous allons nous occuper du monde figure. Donc là, le principe, c'est que nous sommes sur différents types de circuits. Et donc, nous pouvons justement faire un nombre de... Alors, nous pouvons faire beaucoup de... Comment je vais expliquer ça ? On peut faire beaucoup de terrain, en fait il y a beaucoup de terrain existant. Et on peut justement essayer de faire on va faire un alpipe. On va faire le maximum de comment ça s'appelle, de prises, de tricks possible avec le temps qui met un parti. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Si vous comprenez pas, bah c'est tant pis. Alors j'essaie de me concentrer parce que c'est un knife pipe. Alors j'essaie de me concentrer, allez. Alors j'essaie... Ah mais merde, mais pourquoi je fais un truc aussi bizarre que ça? Sept secondes, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, j'ai fait quand même une victoire parce que j'arrivais à 1332 points. Bon, c'est peu, mais au moins j'ai réussi à faire un score, même s'il est faible. Juste à recommencer. Allez, je vous en faire un pour vous faire plaisir. Et on y va. Allez. Non, je vais me concentrer, allez. Alors, bah pour l'instant ça avait l'air correct. Yeah.
Alors 9 secondes. Ouais, bah c'est parfait. Nouveau record, 5216. C'est parfait, n'est-ce pas? Première place, je sais, merci. Je suis trop beau. Donc pas mal hein, donc on va rechanger de type de niveau parce qu'on a fait justement la façon de Trix, on va faire la façon tournoi. Alors le principe du tournoi, je vais vous expliquer, alors on va choisir encore un surfeur parmi les 5 qui existent, hein. Nous avons donc Dion Blaster, Rob Anywood, Ayumi Ayami, Akari Ayami, Wiki Wimbaron, Winterborn et Keisuke Kamachi qu'on va prendre. Et on va chercher un board, n'importe lequel, parmi tout ce qui existe. Je vais prendre celui-ci parce que c'est celui qui me paraît le plus logique. Et on va au premier niveau, donc le premier niveau que vous avez vu tout à l'heure. Et donc vous avez vu qu'il y a des portes. Donc le principe, nous sommes dans un mode arcade. Et donc les portes vont vous gagner un temps bonus selon le nombre de points. En plus ça fait gagner des points. Donc c'est assez bizarre. En fait il y a un nombre de points à faire. Enfin il n'y a pas un nombre de points à faire mais il faut... terminer le niveau sous le temps imparti, donc le temps qui apparaît au-dessus de l'écran, et à chaque fois que l'on passe une porte, on gagne un point, un nombre de points égal au nombre de portes que nous avons passé, ainsi que 2 secondes de ce bonus au niveau du temps, puisque justement en 30 secondes c'est impossible de faire le niveau. Ça paraît impossible. Alors, oula. Et là comme vous avez vu là j'ai raté donc. Je dois recommencer tout au début, par exemple, là ça va faire 2 secondes, mais on n'aura que 100 au niveau du tombeau. Je vous dis, le jeu est assez justement innovateur, et c'est pour ça que justement les jeux de snowboard après ont été quand même assez bien accueillis, selon les, dans les différentes plateformes dans lesquelles ils se sont illustrés. Et je peux vous dire, ce jeu, malgré qu'il a quand même un peu plus de temps, enfin il fait quand même son âge, il a quand même 13 ans, hein. Est quand même assez, veut dire, est quand même un jeu quand même qui est pour moi une référence, en tout cas au niveau du snowboard. Donc après faut voir comment fonctionnent les jeux de snowboard, mais c'est vrai que pour moi en tout cas, ce jeu a été quand même un des jeux qui m'a fait vraiment aimer le snowboard, en tout cas en tant que jeu, puisqu'après j'ai essayé par exemple le SXX, les SXX 3. Donc là c'est, on parle dans un autre domaine créé par justement Electronic Arts. Franchement je peux vous dire que justement je suis sûr que si c'est grâce à justement au fait que j'ai aimé ce jeu là, même si je jouais pas beaucoup avec mes voisins, je peux vous dire il suffit pas d'avoir des voisins, il suffit d'avoir des voisins gamers. Et je peux vous dire quand vous avez ces voisins gamers qui jouent à ce jeu là, qui vous font jouer à ce jeu là un peu temps en temps, je peux vous dire ça me fait vraiment plaisir. Donc là comme vous avez vu j'ai réussi le premier niveau. Donc on va continuer jusqu'à arriver au moment où je vais perdre. Je dis pas que je vais perdre tout de suite hein, je vous dis juste que je vais essayer de faire le maximum que je peux. Alors on va essayer d'accélérer. Attention, le grand saut. Ouais, j'ai réussi. Mais pour pas beaucoup de points quoi. Next. Donc next, on va à Crystal Peak. Alors là, c'est pas du tout pareil. Et je suis quasi sûr de perdre par contre à ce moment-là. Vous allez voir. On va essayer de faire ce qu'on peut. Je vous dis pas que je vais perdre, mais bon, vu que j'ai jamais réussi à voir ce niveau-là, je ne vois pas pourquoi en enregistrant, ce serait pareil. Ce serait pas pareil plutôt. Enfin, je me comprends. Voilà, on se concentre. On se concentre toujours, on essaie de faire un maximum pour que ça aille bien. Oh, ça va trop lentement là. Allez, accélère, allez. On se concentre. Alors je me concentre, je sais pas maximum pour que justement le rendu de la vidéo soit correct pour vous, parce que quand même je peux vous dire j'ai refusé quelques vidéos en ce moment parce que justement la qualité n'était pas au rendez-vous.
notamment Motor Racer. Si vous voulez savoir pourquoi le Let's Cover sur Motor Racer n'est pas sorti, c'est à cause de la qualité vidéo qui était absolument pas bonne. Alors, on va essayer de faire un maximum. Alors là, je vous dis aussi, à savoir aussi que je continuerai les Let's Cover sur certains jeux. Bon, pour l'instant, c'est Nintendo 64 parce que pour l'instant, je suis motivé pour la Nintendo 64, mais il est possiblement possible dans quelques. Je pense que le prochain Let's Cover sera sûrement sur du Game Boy. Et je peux vous dire exactement quel jeu il sera. Ce sera puisque ce sera Ronaldo V Football. Un jeu de football, certes. Et je peux vous dire, je suis assez content puisque je suis normand. Vous avez entendu un petit peu ce qui s'est passé en football. Donc, QMI qui s'est qualifié pour la. Enfin, pour la Ligue Europa. Pour la finale de la Coupe de France, mais qui considère en gros que. Nous l'aurons en Ligue Europa parce que justement Lyon a grande chance pour se qualifier. Mais bon, ça c'est pas très intéressant pour ceux qui s'intéressent pas au foot. Mais je peux vous dire que je suis hyper heureux de ce qu'a fait ce club normand. Alors là, je vais aller, je suis à 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Oula, ça va être juste. Ça va jouer à pas grand chose. Ça va jouer à pas grand chose du tout là. Ça va jouer à vraiment à qui veut gagner 10 millions. 4 Oh 5 4 3 Attention, est-ce que je vais réussir? Pensez-vous que je vais réussir? 3 2 1 0 Ça a été juste. Vous avez vu la classe. Ça a été juste. Alors Halfpipe maintenant. Quatrième manche, c'est du Halfpipe. Donc vous avez vu comment ça fonctionne le half pipe. Alors je sais que je peux réussir à faire un bon truc si je me débrouille bien. Hop. Ah mais pourquoi? Alors je me concentre, allez. Saute. Oh mais. Voilà. Alors je me concentre, allez. Ah mais demain j'y arriverai pas. Oh non. Oh non. Oh non. C'est moche. Oh c'est moche. C'est moche. Oh c'est moche. Bon c'est pas mal. Bon donc vous avez vu, j'ai raté ce niveau. J'ai raté le niveau du F5 alors qu'il était très facile. J'en suis vraiment désolé. Et donc, on va se terminer ce petit Discover. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne vous oubliez pas, on continuera avec les Discover. Vous retrouverez dans quelques jours l'épisode numéro 5 du Let's Play de Wario Land sorti en 1993 sur Game Boy. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous continuerez à suivre mes vidéos. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur mon blog onlinecheck.com. Ainsi que sur la guilde, hein, même si vous pouvez suivre la guilde sur les Twitter et chaîne associée. Et c'était TGF. Stay tuned!